Provérbio 11, versículo 2. Esse vamos estudiar junto. Amém, amém. Já. E Fabrício não teve um título de som. Ele diz não, e um monde sage soumet tête-lui devant bon Dieu. Um monde sage soumet tête-lui devant bon Dieu. Amen, mon cabécu. Et nous, je ne l'ai dit dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Texte d'Oa, Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Il dit comme ça. Côté qui gagne l'orgueil, on ne pas loin. Mais moun ki soumet devant bon Dieu, c'est yo qui gen bon comprendre. Amen. Amen. On va étudier ensemble. Proverbe 11 verset 2. Côté qui gen l'orgueil, won pas loin. Dis ça pour moi ensemble. Proverbe 11 verset 2. Côté qui gen l'orgueil, won pas loin. On répète ça encore, Proverbe 11. Proverbe 11, verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, on parle loin. Mais, mon qui soumet devant bon Dieu, mon qui soumet devant bon Dieu, c'est yo qui gagne bon comprendre. C'est yo qui gagne bon comprendre. Mais, mon qui soumet devant bon Dieu, mon qui soumet devant bon Dieu, c'est yo qui gagne bon comprendre. C'est yo qui gagne bon comprendre. Proverbe 11, verset 2. Proverbe 11, verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, côté qui gagne l'orgueil, on pas loin. On pas loin. Mais, mon qui soumet tête yo devant bon Dieu, mon qui soumet tête yo devant bon Dieu, c'est yo qui gagne bon comprendre. C'est yo qui gagne bon comprendre. On va ensemble, Proverbe 11. Proverbe 11, verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, on pas loin. Mais qui soumet devant bon Dieu, c'est eux qui gagne bon comprendre. On a encore Proverbe 11. Proverbe 11, verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, on pas loin. Mais monde qui soumet devant bon Dieu, c'est eux qui gagne bon comprendre. Amen. Donc est-ce que tu en espagnol también? Que dice en espagnol, Proverbe au capítulo 11, verset 2. ¿Puedes leer? El orgullo lleva a la deshonra. Amén. Pero con la humildad viene la sabiduría. Ya. Vamos después, vamos todo. Tienes que guardar eso en la cabeza, en la mente. Vamos juntos. ¿Juntos? Sí, juntos. El orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. A ver. ¿Más? El orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Ya, ¿está pronto para hacer solo sin la Biblia? Dale después. Dale más. El orgullo lleva la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. A ver, ¿está listo? Amén. ¿Otro poquito más? Para que lo guarda ese, para guardarlo. El orgullo lleva la deshonra, pero la humildad viene la sabiduría. Amén. Todo junto ahora, sin la Biblia. El orgullo lleva la deshonra, pero la humildad lleva la sabiduría. Amén. Amén. Proverbio 11, versículo 2. Ya, ese texto para memoria. Y esa escuela esta mañana tiene 4 puntos. Dijo la que 4 matin. Amén. El primer punto dice: Dios no gusta la persona que tiene, ¿cómo dice? Que quiere tener autoridad, como Satana. El desobedecer a Dios. Es una cosa que Dios no gusta. Es el primer punto que vamos a hablar.
El segundo dice, premier point, bon Dieu raï l'orgueil. El segundo punto dice, Dios va a ir sancionar la persona que le pone el lugar de alto, el lugar de Dios. Dios va a sancionar esa persona. Es el segundo punto que vamos a hablar. Y dice, bon Dieu raï, bon Dieu va a punir, moun kap fè l'orgueil. Bon Dieu va punir moun kap fè l'orgueil. Bon Dieu va punir moun kap fè l'orgueil. Okay. Ya tercer punto. La persona que se levanta la cabeza es un contrario de humildad. La persona que quiere levantar la cabeza y soy, Dios no gusta eso, ese es contrario de la humildad. Yeah. Es el tercer punto. Ok, se encontré humilité. Wow. Troisième point. Orgueil, c'est contraire. Humilité. Oui. Mm-hmm. El cuarto punto, él dice, Dios recompensa la persona que está humilde. Amén. Ese es el cuarto punto. Bon Dieu récompense les gens qui soumettent devant. La Bible a dit, la personne qui se baha, Dieu levantera. Amen. Et c'est la quel le quatre point. Les gens qui soumettent. Bon Dieu récompense les gens qui soumettent. Bon Dieu récompense les gens qui soumettent devant. Amen. Amen. Combien de points les soins du matin encore? 4 points. 4 points. Donc, c'est 4 points que nous allons étudier. Premier point, il dit, bon Dieu raï l'orgueil. Il dit dans Proverbe 11, verset 6 à 19 là, Salomon nous menons 7 bagailles, bon Dieu raï. C'est l'orgueil qui campait en premier dans liste là. Aïdi, dans le premier point, dans verset 6 là, dans verset 16 à 19 là, il dit, Salomon, nous menons 7 bagailles qui bon Dieu raï. Mais premièrement, et c'est même j'ai noté les petites leçons, il dit, yon moun sa, yon met tête li devant bon Dieu. Ça veut dire, yon moun ki gen l'orgueil, bon Dieu, li même, la pini moun sa. Il dit dans Proverbe 6, verset 16 à 19, Salomon nomme cette bagaille qui c'est l'orgueil qui campait dans la première liste là. Parce que en pile fois, c'est l'orgueil qui fait moun fait ça qui mal. La bon Dieu avec vous? Amen. Il dit en pile fois, c'est l'orgueil qui fait moun fait ça qui pas bon. On voit? Dans l'église là, mon nan doit avoir orgueil ou pas wel. L'orgueil son bail qui nan moun nan mais ou pas ka wel. Eh bien, bon Dieu lui-même li raï moun ki orgueil. Des fois ka wel, mais l'important le moun l'église faut commander bon Dieu don discernement. Juste la prier bon Dieu pour dire bon Dieu faut reconnaître moun qui a voyo. On voit, avec des soit fonctionnant au monde, l'important pour qu'on nous là. Et puis bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui sont des cœurs, c'est lui-même qui sont des noms. Avec dit, il est capable de prêcher l'eau. On voit, même Jean et serviteur t'a prêché dimanche dernier, quand il dit communication orale, communication verbale avec bon Dieu. Avec dit, bon Dieu t'a parlé avec Moïse.
et bien, Bouddhi ka révélo quelque bagay, soit dans vision, soit dans dormi, Bouddhi ka révélo quelque bagay. Quelque bagay, mais faut mandi Bouddhi don de discernement. On voit? Il dit, il y a des gens qui viennent de l'église, et pas l'église, ils viennent de l'église, on voit? Donc, il y a un peu de monde ça. Bien pourtant, les gens qui une église, ils font convertir, ils ont essayé de place, ou pas aller gérer l'église, parce qu'il y a des gens qui ont on voit? Bien pourtant, il faut qu'on apprenne, on voit? Même si les titres sont pas les noms, de soumettre, on voit? Les gens ça. L'important faut l'apprendre pour être capable de soumettre, pour apprendre à comprendre la Bible, pour chercher humilité. C'est un qu'on zam ou ben un petit monde qui pas connaît, il dit zam ça, il est capable d'étudier encore. On voit. Et bien c'est ça. Il dit encore nous baï menti parce que nous parlons humilié pour nous dire vérité. Well, avez dit les mon dans l'orgueil, il bail menti. Avez dit il parlait humilié devant monde. Comprenez? Avez dit si m'a fait leçon ça gon bail pas connait puisque l'orgueil rempli m'pa ca et vinn côté Saint-Michel, dit Michel, ah expliquez moi tel verset. Avez dit si si me dit ça, me descend. Eh bien, travaille en équipe, il va comme ça. On voit. Si pas comme nos bagailles, c'est tout normal. C'est Michel, c'est coéquipier moi, c'est Sam. C'est important. On commande. On a travaillé ensemble. Quelques explications. On voit. Allez dit, l'on fait ça ou pas. Et c'est l'orgueil qui faut faire ça. On voit. Ou pas comprendre un bagaille, il faut pas comprendre tel bagaille, tel bagaille fait, il faut pas comprendre tel bagaille fait tel genre, on voit? Ou bien c'est Michel Abdou tel bagaille fait tel genre. Mais ce qui te dit, ou le bagaille menti dans la place pour dire vérité, on voit? Il va bon. Eh bien, il dit que la fait moun, bagaille menti. Et puis il dit encore, l'orgueil là faut parler moun mal, on voit? L'oreille là, il faut parler faux mal. Elle dit que si on faut gagner ça là, ou nous pas gagner, par exemple, ah, tel, mon qui chiche en plus, on l'a. Elle a un problème, elle a besoin de monde. On voit? Elle dit ça c'est l'oreille. On voit? Elle dit il faut parler de monde ça mal. Elle dit, le monde qui a servi bon Dieu, ou doit soumettre, ou pas doit quitter l'orgueil, mais non. De vous quitter l'orgueil, mais non, la faut mal, la faut perdre, et communion avec bon Dieu. Il dit qu'il faut faire médisance, parce que ça fait paraître plus haut. Ça parle de mal, ou descendre le monde. Ah, c'est. Faut continuer à parler pour nous. Abdi dit pas qu'on a rien bah ici c'est le bon. Elle dit même si Abdi mon non bagaille, il va dire défendre. On voit ça fait on a toujours voulu pour le pire. Et bien Bible dit monde qui descend nous bon Dieu appelé vous. Bien pourtant pour un monde toujours descend nous devant bon Dieu par notre tête. Est-ce que vamos estudiar el primer punto? El persona humilde se baja. Se repita el principio. Ese que dice ese texto. Cuando una persona no está humilde, entonces se habla mentira para que se ve más alto. Para que sabe que tiene sabiduría. Entonces la Biblia, ese texto nos habla, es importante que sea humilde. Amén. Porque la persona que se baja, después Dios se levanta alto. Amén. Y cuando Dios se levanta a una persona, nadie no se puede bajar. Sí, porque el mano que se levanta es un mano
fuerte. Cuando el mundo se levanta, después se baja, pues sí. La persona siempre tiene sombra de variación. Dios no tiene sombra de variación. Dios es el tú. Cuando dice una cosa en la boca, no te preocupes, la mano se cumplirá. Amén. Es ese que estamos tratando de hacer comprender, nos hermano, en el primer punto. Amén. Y tú encore, selon l'apôtre Paul, selon l'apôtre Jacques et Pierre, l'orgueil se contrait à soumission devant bon Dieu. Yo dit bon Dieu prend position contre moun qui gen l'orgueil, mais moun qui soumet devant li ba yo favel. Jacques 4 verset 6, 1 Pierre 5 verset 5. La Bible a habla, Dios se toma en position contre la persona que se levanta. Y el persona que se humilde, Dios dale su favor. Encontra eso en Jack capítulo 4, versículo 6. Y primer Pedro, versículo 5. Primer Pedro 5, versículo 5. Encontramos eso. Primer de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Puisan yo proverbe 11 verset 2. Bon Michel, ça te dit encore? Proverbe 11 verset 2. Yo mon café lo gay. Elle te dit? Côté qui gagne l'orgueil. On ne parle pas. Mais moun ki soumet devan bon Dieu, c'est eux qui gagne qui gagne bon droit. Amen. Proverbe 11 verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, on ne parle pas. Mais moun ki soumet devan bon Dieu, c'est eux même qui gagne bon droit. Ya, on aller ensemble pour nous repasser parce que nous va les mettre. Proverbe 11 verset 2. Côté qui gagne l'orgueil, on pas loin. Mais moun ki soumet devant bon Dieu, c'est eux qui gagne bon comprendre. Amen. Côté de jouer et l'étude son. Non. Proverbe 6 verset 16. On a besoin d'avoir un contact. Proverbio 2, pregunta, el orgullo lleva la deshonra. Sí. Y como la humildad viene la sabiduría. La sabiduría. Amén. Bendiciones, hermano. Y ya, ¿cómo puedes sonar aquí en vos? 4 puntos. 4 puntos. Qui ça promet pour Andy? Bon Dieu, raï l'orgueil. Vous avez pregunté par notre hermano chileno. ¿Cuántos puntos tiene la escuela hoy? 4 puntos. Ya bendice, un abrazo por mi hermano. Amén. Entonces, c'est comme ça, ils sont entrés. Matin, ils sont entrés 4 points. Premier point dit, bon Dieu, raï. L'orgueil. Deuxième point, il dit que bon Dieu va punir les gens qui font l'orgueil. Bon Dieu va punir les gens qui font l'orgueil. Troisième point, l'orgueil, c'est contraire à l'humilité. Nous avons un exemple, Goliath. Nous avons un exemple, Juan et Bicadneza. Nous avons une histoire ça bien. Il dit, il y a des gens qui font l'orgueil, mal à pris. Donc, quatrième point, il dit, bon Dieu, récompenser les gens qui soumettent devant. Quand il prend plusieurs exemples, il est capable, bon Dieu est capable de récompenser spirituellement
et puis capable récompense matériellement. Donc c'est tout ça yo nous tape débat matin. Malheureusement et puis on va même commencer bonnet, on va même une bonnet. Nous toujours fait et maximum moins fort pour nous couper toute coucoucoute mettre dans ma faute pour nous capable remettre avec les pour nous capable faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Donc qu'on a nous fait place avec madame Michel qui va passer dans rapport et puis là tout prier pour clôturer pour nous et pour nous entrer dans adoration. Nous souhaitons une bonne édition que bon Dieu nous bénisse matin. Amen. Une bonne pour nous capable toujours faire l'école là pour nous capable de médailler. Que bon Dieu bénisse. Amen. Bon Dieu bénisse nous. Amen.